Donc oui, hein, petite conférence sur UX, WordPress et les process. Donc comme ça vient d'être annoncé, Alexandre Varnia de Zarzeki. Pour faire plus court, c'est Alex Oisa. Je viens de tweeter justement le lien de la présentation si vous voulez suivre en live et éviter d'avoir à prendre des photos, faire des screenshots, ça sera plus facile. Donc c'était moi, oui, en effet, l'homme en peignoir du petit concours qui se passait de mon agence. Où je suis justement UX designer. Je fais aussi des interventions à Éthique en UX, qui est une école du web. Et je crois que c'est à peu près tout pour moi. Donc, commençons. C'est bien justement, il y a pas mal de confs qui ont parlé d'ergonomie, d'utilisateurs, de choses comme ça. On va venir d'abord voir un petit peu ce que c'est l'UX, ce que ça représente, parce que c'est des lettres qu'on voit de plus en plus. Qui veulent tout simplement dire « user experience », donc l'expérience utilisateur en français. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. En France, maintenant, c'est bon, ça y est, c'est enfin développé. Ça, comme d'habitude, on est en retard. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'aux États-Unis ou en Angleterre, ça fait un moment que c'est ancré. Mais là, maintenant, ça y est, y a un vrai vent par rapport à ça, justement. Et donc on va voir un petit peu pourquoi. Donc déjà, ce qu'il y a à savoir donc de manière générale, pas que dans le web, c'est que l'expérience est vraiment au-dessus du matériel. Donc quand je parle de matériel, pour vous donner un petit exemple un peu plus concret, dans l'univers de la musique, les ventes de CD, c'est pas ce qui marche le plus en ce moment, au contraire. On peut même dire que c'est en chute. Pourtant, tout ce qui est concerts, événements, les festivals, ça marche de plus en plus. Parce que c'est l'expérience en fait qu'on vient chercher, plus que vraiment le bien matériel. On retrouve facilement cet exemple dans plein d'autres domaines, c'est le cas aussi dans le cinéma, où les DVD ne fonctionnent pas, alors que les cinémas, vraiment les salles de ciné, ont fait une des meilleures années depuis je ne sais plus combien de temps. Donc qu'on ne nous parle pas du téléchargement illégal ou des choses comme ça. Et sinon, un exemple qui peut être un peu plus concret pour vous, c'est tout simplement, par exemple, un anniversaire quand vous étiez petit. Donc c'est quelque chose qui remonte déjà il y a longtemps. Vous allez beaucoup plus vous rappeler d'une expérience que vous avez pu avoir, par exemple vos parents qui vous ont amené à Disneyland Paris, plutôt qu'un objet, un peu de gadget que vous avez reçu. Pourquoi ? Parce que l'expérience, justement, elle va s'enrichir avec le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'on oublie souvent, c'est que toutes ces petites choses s'inscrivent dans le temps. Et en fait, ça va venir s'améliorer. Alors, il faut faire aussi attention à ça. C'est qu'une expérience, ça va s'enrichir, mais ce n'est pas forcément positif. Un événement qui était négatif va aussi pouvoir le rester, voire même se dégrader. Donc ça, il va falloir le garder dans un petit coin de la tête. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire « Ah non, tout ce qui est matériel, c'est pas bien, il ne faut absolument pas faire ça, nous on veut de l'expérience avant tout ». Le matériel peut être vraiment un vecteur pour l'expérience. Il va pouvoir servir à l'améliorer, voire même à la transformer. Par exemple, quand on part dans une petite balade en forêt, avoir une carte, c'est un bien matériel tout bête, mais qui peut servir à plein de gens. On n'a pas forcément le sens de l'orientation. Avant que la nuit tombe, ça peut être bien de retrouver son chemin, ce genre de choses. Savoir s'il y a un gîte, enfin bref. Donc ça, c'est un petit exemple justement sur ce qui peut être bien. Donc là, dans l'amélioration, et on peut même venir le transformer. Maintenant, avec de la réalité augmentée, des choses comme ça, on peut vraiment changer. Par exemple, ne serait-ce que donc, pour ceux qui connaissent Ingress ou Pokémon Go, c'est quelque chose qui va changer juste la manière dont vous allez marcher dans la rue. Vous allez chercher justement du contenu qui est en plus. Donc ça va vraiment... Pour ceux qui ont déjà joué à Ingress, ça modifie la manière dont vous marchez. Moi, j'y avais joué un petit peu pendant un moment. Donc Ingress, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un système où il y avait des espèces de portails virtuels partout en fait, dans le monde, donc dans les villes. Et donc du coup, vous allez regarder sur votre smartphone où il y en a pour pouvoir aller les « hacker », entre guillemets. Et en fait, ça a vraiment changé la manière dont je me suis promené dans la ville parce que j'ai fait plein de détours justement pour passer par différents lieux. Et là où ils ont été forts, parce que c'est Google qui est derrière ça, c'est qu'ils ont placé ces portails à chaque fois sur des monuments, généralement, qui sont assez intéressants. Et donc ça vous change en fait la manière de vous déplacer.
Eh bien, c'est la même chose pour le web. L'expérience est au-dessus du site internet. Il va falloir réfléchir en fait au service avant la plateforme. Donc, je vais venir plus en détail par la suite, donc pas forcément besoin de s'attarder là-dessus. J'aime bien aussi faire un point sur le fait que l'UX n'est pas un métier. Donc, en effet, je suis UX designer, mais tout le monde en est responsable. C'est quelque chose de vraiment large. Donc là, vous voyez pas forcément, c'est pas très important, mais c'est un des nombreux patatoïdes qui représentent tout ce que vient toucher l'UX. Et donc, dedans, on peut trouver de l'interaction, du design, de l'architecture. Il y a vraiment plein de domaines. Et donc, dans une agence web ou sur un projet, ça va être la même chose. Que ce soit le chef de projet, le développeur, le designer, tout le monde a sa part de responsabilité dans, justement, l'expérience utilisateur. Mais donc, on trouve quand même des UX designers. Alors, pourquoi on trouve des UX designers? Justement, pour avoir un gage justement de ce côté-là, être sûr que des personnes s'occupent de ça, mais c'est pas pour autant qu'une fois qu'on a un UX designer, c'est lui qui s'occupera de tout. Il est là justement pour superviser. Et généralement, les personnes qui sont UX designers, c'est des personnes qui ont ce qu'on appelle des compétences en T. Donc une compétence en T, donc T-shape en anglais, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez chercher, c'est une personne qui va être compétente dans plusieurs domaines, mais experte dans une seule. Moi, par exemple, avant de vraiment être UX designer, j'ai été designer, j'ai été intégrateur, donc j'ai vu un petit peu tout ce qui pouvait toucher à la techno, au design, et c'est après que je me suis vraiment spécialisé dans la conception. Et même dans la conception, là encore, il y a plein de champs différents dans lesquels se spécialiser, que ce soit pour la structure de contenu, la conception vraiment pure et dure, de la recherche utilisateur, il y a plein de domaines. Donc c'est pour ça que le mot UX designer est aussi très vague. En fonction de l'agence, de la manière dont elle va travailler, ça peut être d'autres choses. Et justement, petite parenthèse par rapport aux gens qui sont en agence, un UX designer, c'est pas un designer. Et design, en anglais, ça veut dire concevoir. C'est pas forcément le côté créa, je suis un artiste. Il y a plein d'agences françaises en fait qui ont commencé à avoir des UX, UI designers, pour pouvoir dire « Hey, nous aussi, regardez, on a un UX, c'est trop bien !» Sauf qu'en fait, non, elle fait juste du design en pensant un petit peu UX. On va voir justement que ça serait intéressant d'aller un petit peu plus loin que cette partie-là. Pour comprendre l'UX, évidemment, user experience, il y a l'utilisateur qui est au centre, c'est primordial, mais il y a aussi le contexte et le système. Donc le système, c'est pour nous l'ordinateur, le téléphone, le contexte, c'est justement dans où c'est que ça va être utilisé, ces différentes choses-là. Mais, je le répète encore une fois, la notion de temps est quelque chose qu'on oublie beaucoup et qui est très importante aussi. Et pour réussir une expérience, on a ce qu'on appelle les cyclés du mémorable. Donc simple, inattendu, concret, crédible, émotionnel et scénarisé. C'est difficile de pouvoir faire quelque chose qui s'inscrive dans toutes ces clés-là. L'idée, c'est de pouvoir en fait se poser les questions à chaque fois sur ce que je propose à l'utilisateur. Est-ce que dans ce domaine-là, je suis bon ou pas, et d'essayer d'aller le plus loin possible. Donc, je vais m'arrêter ici pour tout ce qui est UX. Si jamais ça vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller regarder ce que fait Karine Lallemand, qui est une chercheuse justement sur tout ce qui est ergonomie, expérience utilisateur. Et c'est très rare justement que les chercheurs communiquent avec le grand public. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qu'elle fait. En plus, elle fait énormément de confs et ses slides sont disponibles sur SlideShare. Et si vous voulez justement un peu plus en savoir sur les bases, les manières de travailler l'UX, il y a ce livre « Design d'expérience utilisateur » qui parle concrètement de comment faire des ateliers, travailler justement la conception, un peu plus, vraiment dans le concret. Et c'est vraiment disponible pour tout le monde, que vous soyez justement dans le design ou pas. Et c'est même encore plus intéressant si vous êtes des clients. D'accord ? Donc je vous le conseille vraiment. Parce que moi, justement, je ne vais pas aller vraiment plus dans le concret. On va plus voir comment intégrer l'UX dans vos projets pour justement éviter les petits problèmes qui pourraient exister. Donc la base d'un projet, généralement, c'est on reçoit un cahier des charges. On va s'occuper de faire un design justement et de pouvoir montrer les maquettes, les faire valider pour partir ensuite en phase d'intégration. S'ensuit le développement, puis la recette. Bon, la mise en prod après si tout se passe bien. Malheureusement, il y a quelques petits problèmes qu'on va rencontrer.
L'interprétation du fonctionnement derrière la créa, c'est un des plus gros problèmes. Donc là, je vais vous parler aussi, j'ai oublié d'en parler un petit peu avant, je vous parle aussi là de ce que j'ai vécu. Donc moi, je suis arrivé chez Biapi, qui était un studio de dev à la base, qui se transforme en agence web. Donc maintenant, on est une agence avec tous les profils et il a fallu justement changer ces process-là. Donc le problème d'interprétation, justement, derrière les créations, il se fait à deux niveaux. D'abord, le cahier des charges et ce que le chef de projet comprend et ce qu'il dit à, justement au DA de faire. Et après, il y a le client, quand il va valider la maquette et qui va se dire « Très bien, cette chose va fonctionner comme ça, je valide, ça me va bien. » Sauf que ce qu'il y a aussi comme problème avec ce fonctionnement-là de création directement, c'est que le site est avant tout créé par le client. Les retours qu'il va nous faire, c'est « Je veux que le logo soit plus gros, pas cette typo, cette couleur. » Et donc du coup, on n'est plus du tout centré sur l'utilisateur. L'effet tunnel, là, c'est dès que les créations ont été validées. Le client a validé les créations, donc ça part en intégration, en développement, et il ne va plus rien voir avant, justement, qu'on arrive en phase de recette. Et les gros problèmes qu'il y a, c'est justement ce qui était lié en amont avec les interprétations, c'est les retours clients, qui peuvent être très problématiques. Non, mais on avait dit qu'on ferait ça, moi je pensais que ça allait fonctionner de telle manière, et donc du coup, on est un petit peu dans une impasse parce qu'on a déjà développé tout le projet. Le client n'est pas content. Nous, on ne peut pas non plus revenir forcément complètement là-dessus. Et ça, c'est généralement ce qui fait des clients pas contents. Des clients pas contents, ça fait une mauvaise réputation derrière. Donc, c'est pas bon. Et puis, même pour l'agence, travailler sur un projet qui aboutit mal, c'est jamais quelque chose de très agréable, même pour chaque membre qui travaille sur le projet. Donc, comment éviter tout ça ? Il va falloir évidemment travailler la conception en amont. Ça, c'est important justement, ce côté de travailler la conception en amont, parce que c'est des fois où on se dit « Ok, on va voir par la suite ce qu'on va pouvoir changer, modifier. Si le travail est fait en avant, on va pouvoir éviter vraiment tous ces petits projets, ces petits problèmes. » Connaître le projet. Donc ça, ça paraît tout simple. Mais le projet, donc, il est apporté par un client. Le client, il se réveille pas un matin en disant « Ah oui, je veux un nouveau site. » Donc il y a un but. Alors bien précis, il faut voir. Des fois, le client il veut juste un site qui est moderne, beau. Il va peut-être falloir creuser un petit peu plus. C'est pour ça que généralement, on organise un premier atelier avec le client. L'idée, c'est vraiment comprendre ses besoins. Donc pour ça, en amont de l'atelier, prendre connaissance de tout ce que vous pouvez au niveau du cahier des charges, du commercial, si jamais il a déjà interagi avec le client, le chef de projet, aller regarder s'il y a déjà un site existant, ce qui peut exister aussi dans ce domaine-là. Et quand vous allez aller justement à cet atelier, vous allez faire comme si vous ne connaissez rien. Ça va vous permettre de ne pas assumer certaines choses, de se dire, ou d'interpréter plutôt certaines choses, et de poser absolument toutes les questions auxquels vous n'auriez pas forcément pensé, ou même si vous avez déjà les réponses, de pouvoir confronter ce que vous avez compris et ce que le client va vous dire. Le but, c'est vraiment d'aller plus loin que « je veux un site moderne et beau ». Là, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on a cette volonté de lancer ce projet-là. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ? Et petit bonus pour la fin, connaître l'ensemble des décisionnaires. La personne avec laquelle vous allez interagir, donc c'est la personne qui va vous valider justement tout ce qui va arriver par la suite, mais des fois, elle a une personne qui est au-dessus d'elle, ou peut-être plusieurs personnes. Et vu que c'est un supérieur, elle n'a pas envie à chaque fois de l'embêter pour toutes les validations, et elle va attendre d'avoir un gros paquet à faire valider. Sauf que si elle a validé en amont, et qu'une fois qu'elle va faire valider ça par le décisionnaire, lui dit « Ah ben non, c'est pas ce que je veux », ça nous fait repartir. Et ça nous fait retomber dans les problèmes qu'on a vus avant, justement des retours qui peuvent arriver un peu trop tard. Oups. Toujours pendant cet atelier-là, c'est là qu'on va commencer à s'intéresser à l'utilisateur. Il faut cerner qui il est. Donc pour ça, les questions, justement, doivent être orientées au bout d'un moment vers ça. Qui va utiliser ce site internet ? Pourquoi ? Pour qui ce projet est fait ? Qu'est-ce qui va leur être proposé ? Ne pas hésiter à le demander clairement aux clients. Généralement, ils ont une petite idée, c'est pas forcément la bonne, mais c'est bien de savoir aussi pour qui le client pense faire son site. Et après, il va falloir aussi, et là c'est très important de le faire comprendre aux clients, faire une distinction entre le cœur de cible et les cibles qui peuvent être secondaires. Le client, par défaut, dans 80% des cas, il va vouloir justement un site qui est pour tout le monde. Un site qui est pour tout le monde, c'est un site qui est pour personne. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas pouvoir être pertinent dans ce que vous allez proposer, vous ne pourrez pas aller à fond,
justement par rapport à votre cœur de cible. Si jamais vous avez un cœur de cible identifié, vous allez vraiment pouvoir développer des fonctionnalités pour cette cible-là. D'accord ? Et les cibles qu'il y aura secondaires, justement, celles-là vont venir se rattacher à ce qui existe déjà. Donc après l'atelier, donc normalement c'est là où vous notez plein de choses, il y a différentes manières de faire. Moi généralement c'est papier-crayon. Je vous conseille pas trop forcément d'avoir un ordinateur parce que le temps de taper, des choses comme ça, des fois vous pouvez perdre le fil. Il y en a qui enregistrent. En vrai, c'est très rare que quand on enregistre des sons, on les réécoute par la suite. Donc surtout prendre des notes. Après l'atelier, il va falloir se fixer des objectifs. Alors, les objectifs, il va falloir qu'ils soient clairement identifiés. Voilà. Donc, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et aussi inscrits dans le temps. Ça, c'est très important. Il y a une conf hier, justement, qui parlait de vous ferez 40 000 euros d'affaires et donc, du coup, c'est comme ça que ça va fonctionner. Il faut vraiment que ce soit réaliste et justement dans le temps. C'est comme ça que vous allez aussi pouvoir gagner la confiance de votre client. Et vous aussi pouvoir vous améliorer par la suite. Ça, c'était par rapport à ce que vous avez compris des besoins du client. La deuxième étape, les personas, pour ceux qui ne connaissent pas, le persona, c'est une personne type qui va regrouper un ensemble d'utilisateurs. C'est elle qui est derrière justement la cible prioritaire, le cœur de cible et les cibles secondaires. C'est très important d'en avoir parce que quand vous allez travailler par la suite, vous allez toujours réfléchir par rapport à cette personne-là. Est-ce que je développe justement cette fonctionnalité pour elle ou pour elle ? Est-ce que c'est pertinent de faire cette page-là ? Est-ce que ce parcours correspond vraiment aux attentes de cet utilisateur ? Petite parenthèse sur les appels d'offres. Parce que les appels d'offres, on n'a pas l'occasion de faire justement un atelier avec le client. Même des fois, on l'appelle et il ne nous répond pas forcément. Stop aux maquettes tout le temps. Je veux une, deux, trois versions, je veux une home, je veux une page intérieure, des choses comme ça. En fait, c'est pas du tout pertinent de travailler comme ça, parce que les éléments vont être trop subjectifs. Le client va valider ça, il va faire « j'aimais bien celle qui avait du jaune là, avec la grosse typo ». Donc, du coup, vous allez travailler énormément, perdre pas forcément beaucoup de temps, mais ça va être vraiment l'idée de faire quelque chose de joli. Si vous travaillez un petit peu plus intelligemment, justement, vous allez essayer de tirer un maximum d'infos du cahier des charges que vous avez et proposer un fonctionnement. Donc quand je parle de fonctionnement, ça veut dire de réfléchir peut-être à lui proposer une nouvelle arborescence, une stratégie de contenu, voire même justement des wireframes, en fait, pour vraiment montrer qu'on a compris ses besoins. Évidemment, j'ai encore... Voilà. Donc là, les besoins clients sont extrêmement importants. Parce que pendant cette phase-là, le but, c'est de gagner. Donc, il faut montrer qu'on a compris, justement. Et par rapport aux objectifs qu'on avait avant qui étaient smart, c'est là que vous pouvez dire, pas juste un 40 000 euros de chiffre d'affaires, mais vraiment, vous, on a compris que c'est cette cible-là qui vous intéressait. On sait comment l'atteindre. On sait comment soit vous apporter une nouvelle base de clients, soit comment convertir plus. Enfin, il y a vraiment des petits objectifs qui peuvent être réalistes et qui peuvent beaucoup plus convaincre. Et après, évidemment, ne pas hésiter à accompagner un book justement de toutes vos créations qui permettront aux clients justement de voir ce que vous savez faire. Parce qu'une création, justement, pour qu'elle soit validée par le client, il faut que ça lui plaise. Et même si vous allez proposer plein de créations, vous savez forcément que ça va être retravaillé par la suite. Donc il vaut mieux fonctionner comme ça pour bien poser les bases et après pouvoir aller justement sur la création. Après, rien n'empêche non plus de donner une petite intention graphique. Des fois, ça fonctionne quand même mieux quand on a le temps. Donc le but, c'était vraiment de convaincre et rassurer le client. Ici, on n'a pas trop parlé d'utilisateur. C'est-à-dire, on analyse d'abord les besoins justement du client pour pouvoir gagner l'appel d'offres. Et c'est une fois que l'appel d'offres va être remporté que là, on va pouvoir venir lui parler justement, grâce aux ateliers qu'on a vus avant, de l'utilisateur. Parce qu'il y a encore un travail justement qui se fait de ce point de vue-là, de dire « Ok, donc ce site, ce n'est pas pour vous, vous êtes le client, mais c'est pour ces utilisateurs-là. » Donc, revenons à la conception. Les contenus. Analyser les contenus existants et futurs. Alors, on n'a pas forcément des contenus qui existent, mais il y en a forcément qui vont exister.
Donc l'idée, c'est déjà de pouvoir dresser une arborescence de la, justement comment vont se structurer ces contenus, comment on va y accéder. Donc avoir aussi une stratégie de contenu en fonction de est-ce que vous allez avoir du contenu chaud qui va être publié souvent, qui va amener des utilisateurs, ou au contraire quelque chose de froid qui est consulté, donc du coup sur quoi vous allez vouloir les renvoyer ensuite. Et ne pas oublier cette histoire de storytelling. Ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. Donc c'est le fait de raconter une histoire. C'est ne pensez pas à une page toute seule. Donc en effet, on a vu avec donc d'autres confs, Mobile First et des choses comme ça, qu'une page doit avoir un objectif précis. Mais votre site ne vit pas juste pour une page. Il y a d'autres pages qui vont être ensemble et il faut que le tout s'accorde bien. C'est ça aussi dans la manière de raconter une histoire. Tous ces éléments sont importants en fait pour la navigation qui va exister sur votre projet. Donc maintenant, on va pouvoir déterminer des gabarits. Alors c'est quelque chose, c'est une phase qui est très importante par rapport à WordPress et pour les chefs de projet aussi. Ça va nous permettre en fait de savoir combien à peu près de pages on va avoir, d'avoir l'ensemble du projet, qu'est-ce qui va exister justement comme gabarit. Mais ça peut en fait vite poser des problèmes en conception. Parce que vous allez peut-être devoir rentrer dans ces boîtes. Vous allez faire des recherches par la suite, vous allez peut-être vous rendre compte que ben, ce type de contenu-là, finalement, n'est plus pertinent ou est devenu obsolète, le remplacer par un autre, et donc ça peut poser problème. Après, c'est assez formateur pour le client parce que ça lui permet déjà de réfléchir en termes de pages. C'est plus juste un site qui va faire ça et qui met mes actualités en avant, mais plutôt, ok, il y a ça qui va exister comme page, tel type, tel type, tel type. Je me suis engagé avec l'agence pour faire ça et ça permet d'avoir déjà un premier spectre. Désolé, de ce qui va exister. Donc quand plus tard il va faire, oui, mais moi je voulais aussi ça, non, parce que vous êtes déjà engagé de ce niveau-là. Mais vu que ça peut poser problème, c'est là qu'il est très important d'être transparent justement avec le client. Il y a différentes manières de travailler qui existent, donc Waterfall et Scrum en sont quelques-unes. Je ne vais pas en parler tellement. Waterfall, c'est le cas classique où justement on valide tout en avance. On dit tout ce qui va exister comme page, qu'est-ce qui va être fait techniquement, le cahier des charges est rédigé, validé, après on pourra partir en effet en design, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si jamais il y a des changements qui arrivent en cours de route, justement on veut plutôt un nouveau type de contenu, c'est un peu dur de venir intégrer ça ou des changements. Le Scrum, là, c'est complètement l'opposé. C'est plutôt, ben, on a vu que cette page est très, très importante, on va faire les specs dessus, on va pouvoir la faire en design, après elle part en dev, on va ensuite se concentrer sur une autre partie, et ainsi de suite. Et donc là, ça se construit plus au fur et à mesure. Entre les deux, nous, on propose en fait aux clients de fonctionner par lotissement, et c'est quelque chose que les clients en fait apprécient pas mal. On va identifier en fait, tout ce qui va faire le minimum viable du projet. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour lancer le projet de base. Quelle page va exister, quelle fonctionnalité. Et une fois qu'on se sera concentré là-dessus, on va pouvoir en effet faire toutes les rédactions, partir en design, développement. Et c'est après dans un lot 2 qu'on viendra soit rajouter justement des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux contenus, des nouvelles pages, et de repartir encore dans cette phase justement de redesign, développement et tout, et à la fin de validation. Pourquoi en fait c'est bien aussi de fonctionner, donc déjà pour nous, parce que ça nous permet de mettre en place rapidement un projet, donc déjà le client voit plus rapidement son site en ligne, donc ça lui plaît, et surtout quand on va retravailler sur des autres lots par la suite, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'il va être formé justement à ça. Il va savoir comment, quand on va lui dire, bah oui justement j'ai fait un atelier, on va faire un atelier UX, il va savoir comment ça va se passer, ça va aller beaucoup plus rapidement. Et pour s'assurer de tout ça, il va encore falloir faire un atelier avec le client. Donc lui parler de l'arborescence, lui faire valider justement cette arborescence. Pareil pour les gabarits clés, donc de bien penser à les faire valider. Parler avec lui justement un petit peu plus du contenu. Et là, c'est aussi très très important et c'est très difficile aussi à faire parce que le client, généralement, quand il vient vers vous, il a une idée de projet, il sait ce qu'il va y avoir, mais dans les grandes lignes, il n'a pas encore du vrai contenu. Malheureusement, ne pas travailler avec du vrai contenu, c'est quelque chose qui devient très vite dangereux. Le lorem ipsum, c'est bien pour les créations, pour remplir un petit peu de contenu, mais après, ça peut vite poser des problèmes. Donc l'exemple basique, mais pas trop gênant, c'est j'ai fait le design pour tous mes titres qui sont en quelques caractères, mais au final, ça va être plutôt des titres qui vont faire plusieurs phrases. Donc bon, ça peut venir pousser le contenu, mais il y a pire.
Par contre, par exemple, sur un formulaire où on s'est dit, bon, bah, on va mettre tel champ, on va demander ça à l'utilisateur, et bien après, le client qui dit, ah ben non, je veux demander aussi ça, aussi ça, aussi ça, ce qui commence à nous rallonger un formulaire, et un formulaire très long, c'est aussi de fortes probabilités pour qu'il ne soit pas rempli et pas soumis, alors que l'avoir découpé, par exemple, en plusieurs étapes qui sont indiquées clairement, ça fonctionne mieux. Ça, c'est des choses qui nous permettent de le savoir avant, et justement d'éviter ces problèmes par la suite. Donc il ne faut pas hésiter à forcer le client, quitte justement à l'accompagner. Ça peut être très intéressant aussi, parce qu'ils ne sont pas forcément tous aussi à l'aise que nous avec le web et ce qui se fait dans les standards. Il y a beaucoup de personnes aussi qui font justement par rapport à ce qu'ils ont vu, ou du print, ou des choses comme ça. Donc ça peut être bien aussi de les accompagner de ce côté-là. Et souvent, pendant ce petit atelier, en fait, on va avoir des fonctionnalités qui se glissent, c'est-à-dire le client qui dit « Ah bah oui, du coup, sur cette page-là, vu qu'on aura ce contenu-là, ça serait bien de permettre à l'utilisateur de s'inscrire, ou il faut absolument le rediriger vers tel contenu. » Et donc, en fait, ces petites fonctionnalités, il faut vraiment les noter pour pouvoir justement, par la suite, les ressortir. Et c'est parti pour les zonings et les wireframes. Alors ça, normalement, c'est ce que vous connaissez un peu plus. Donc, petit rappel sur ce qu'on a déjà avec tous nos petits ateliers et nos phases de recherche. Ce sont les objectifs, donc issus en effet du cahier des charges, des recherches qu'on a pu faire de l'atelier, les personas de la même manière, l'arborescence et les gabarits et contenus. Donc tout ça, il faut bien l'avoir justement avant d'attaquer les zonings. Il y a autre chose aussi, là, que j'ai pas rappelé, mais qui est très, 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 très important, c'est le contexte qu'on a vu tout au début, justement, sur ce qui définissait l'UX. Le contexte va être très important, surtout maintenant avec tout ce qui est responsive, mobile, des choses comme ça. C'est là aussi qu'on va se dire, en fonction de tout ce qu'on a là, est-ce que c'est pertinent, par exemple, de faire du mobile first ? Ou justement, le mobile first, le but, c'est d'avoir un objectif par page, ou au contraire, on va plutôt aller dans l'autre sens, faire du responsive. C'est là, justement, qu'on se pose ces questions-là. Et c'est avec le zoning qu'on va apporter des réponses. Donc les zonings, c'est papier et crayon. Le but du zoning, donc c'est ce que vous voyez ou pas d'ailleurs derrière, mais le but, c'est vraiment en fait d'aller vite. Il va falloir définir l'organisation des pages, comment on y accède, le principe de navigation, mais tout se fait dans les grandes lignes. C'est pour ça que c'est zoning, c'est vraiment des zones. Vous allez juste dire, ici, on va avoir tel type de contenu, est-ce que là, on va avoir une sidebar, la navigation va se faire de telle manière, on va avoir le menu qui se place au-dessus. Mais le but, c'est pas de tout de suite trouver la bonne solution. Vous allez itérer, vous allez faire plein de solutions différentes, les tester, voir lesquelles peuvent fonctionner, lesquelles posent des problèmes, et peut-être mixer aussi après différentes solutions. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise du papier et du crayon. Parce que si vous partez directement sur ordinateur, vous allez avoir une idée, le temps de la réaliser, vous allez peut-être avoir d'autres idées, mais vous allez vouloir finir déjà la première idée que vous avez. L'autre idée que vous aviez va du coup se détériorer un petit peu. Enfin, vous perdez énormément de temps. Alors que là, l'idée, c'est juste d'aller vite. Donc papier-crayon. Ça ne sert à rien non plus de réinventer la roue. Sauf si vous avez vraiment un projet innovant qui va créer des nouveaux usages ou ce genre de choses, vous n'allez pas tout de suite dire je vais mettre mon logo en bas à droite parce que ça fait plus sympa. Non, maintenant il y a des standards, les gens savent utiliser le web, utilisez ça. Quand vous allez faire vos recherches, que ce soit aussi vos recherches concurrentielles, c'est-à-dire regarder ce qui se fait dans le domaine, comment les autres agissent, mais aussi une recherche fonctionnelle. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui se fait moins souvent, c'est de regarder aussi dans d'autres domaines. Par exemple, si vous travaillez sur un site de réservation de chambres d'hôtel, vous allez peut-être aller regarder donc tout ce qui se fait en réservation de chambres d'hôtel, mais aller peut-être voir aussi ce qui se fait dans les compagnies aériennes. Comment je vais faire pour réserver un billet ? Il y a peut-être des fonctionnements justement qui peuvent être intéressants de sortir d'autres domaines pour les amener dans le vôtre. Quand enfin une solution se dessine par rapport à tout ça, que vous arrivez à avoir une navigation, des pages qui s'enchaînent bien, un parcours utilisateur qui a l'air de fonctionner par rapport à vos objectifs et les personas que vous avez créés, on va passer au wireframe. Donc il y a vraiment une différence entre zoning et wireframe. Le wireframe, c'est vraiment plus poussé en termes de contenu. Et donc quand je dis plus poussé, c'est qu'en fait on va trouver dessus tous les contenus qu'il va y avoir, ainsi que les fonctionnalités. Si jamais il y a un select, je veux savoir comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière comme typologie, est-ce que je peux sélectionner plusieurs choses. Il y a plein de petites
enfin, même sur les transitions, est-ce que ce bouton-là de validation, il va rediriger vers cette page-là ou cette page-là, en fonction des erreurs. Et surtout, il n'est pas encore question de design ici. Donc c'est là que vous partez avec une solution, un logiciel, donc il y en a plein qui existent, hein, que ce soit des logiciels complètement dédiés à ça, comme Axure, Balsamiq, il y en a plein. Vous pouvez même les... Enfin, j'en parlerai pas plus que ça ici parce que c'est pas ce qui est intéressant. Mais surtout ne pas faire de design, parce que là, ce qui nous intéresse, c'est comment fonctionnent les choses. Et dès lors que vous allez venir mettre un petit peu de design, quand vous... parce qu'il va falloir les faire valider avec le client, ces wireframes, là, au moins, l'avantage de ne pas avoir de design, c'est que si vous dites non, c'est sur le fonctionnel. Vous savez que c'est le fonctionnement qui n'aime pas ou que ce contenu n'est pas placé au bon endroit ou telle chose. Si vous mettez un petit peu de design et qu'il vous dit non, je n'aime pas ça, vous ne savez pas si du coup, il n'aime pas ce bouton qui est de telle couleur ou il n'aime pas vraiment ce bouton qui est positionné ici ou qui fait tel fonctionnement. Donc, c'est bien de le garder en tête. Et les wireframes, comme je le disais, l'UX, c'est quelque chose qui est pour tout le monde. Donc, vous n'êtes pas tout seul responsable. Vous allez devoir les faire valider avec tous les autres profils, que ce soit gestion de projet, chef développeur ou designer. Parce qu'ils vont avoir un point de vue sur le projet que vous n'avez pas forcément. Donc ça, on le verra par la suite, mais c'est extrêmement important justement d'avoir ça. Parce que vous pouvez penser à des solutions qui, peut-être techniquement, ne peuvent pas être mises en œuvre. Ou alors, par rapport au cadre du projet, pour la gestion de projet, et hors scope. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont importantes. Et c'est une fois que l'ensemble de l'équipe est d'accord sur un wireframe que vous pouvez aller le faire valider au client. Donc voilà, quand je vous dis qu'un wireframe c'est juste un petit exemple, c'est détaillé, c'est qu'on va trouver vraiment tout le contenu, mais on va aussi trouver plein d'annotations sur le côté pour dire justement comment tel ou tel bouton fonctionne, qu'est-ce qu'on va trouver derrière et ainsi de suite. Donc ces wireframes qu'on a, c'est vraiment ce qui va nous servir de pierre angulaire en fait du projet, déjà parce que c'est la première chose concrète que va valider le client. Là pour le moment vous l'avez amené sur un premier atelier pour parler de ses besoins, de ses utilisateurs qu'il a. Ensuite vous l'avez amené pour un atelier pour parler des gabarits et des contenus. En fonction du projet, vous pouvez faire un seul atelier d'ailleurs, si jamais vous avez fait tout le travail bien en amont. Mais là, il va vraiment pouvoir valider quelque chose de concret, il va pouvoir voir vraiment le début de son site. Après, c'est aussi important d'être présent lors de cette première validation. Parce que malheureusement, les wireframes, ce n'est pas quelque chose qu'ils sont forcément habitués et c'est dur de se projeter. Donc il faut vraiment faire comprendre à quoi ça sert, qu'on est là pour le fonctionnement. Et il y a un gros travail d'évangélisation aussi à faire de ce côté-là. Donc, accompagnez-les pour la première validation. Ensuite, pour ce qui est création, la créa va pouvoir justement partir des wireframes pour voir les différents éléments qui existent, qu'est-ce qu'il va falloir créer par rapport à l'identité qui peut exister, ou justement qu'il va falloir créer. Le front va voir ce qui est au niveau des fonctionnalités, comment les mettre en place, comment ça va justement interagir. Le back doit pouvoir mettre en place tous les environnements existants, que ce soit le WordPress, le GitHub, enfin, justement, grâce aux fonctionnalités. Même si là, le développeur n'a pas de maquette de créa, il peut faire le site en entier. Il doit pouvoir fonctionner ce site juste sur la base de ces wireframes. Et enfin, la gestion va pouvoir finaliser toutes les spécifications qui existent, qui a déjà été commencé normalement avec le cahier des charges, mais c'est là qu'on va pouvoir vraiment l'ancrer et le signer avec le client. Donc ça, c'est important parce que c'est là où derrière, quand le client va vous dire « Oui, ben alors moi, je voulais plutôt ça comme ça », vous allez pouvoir vraiment dire « Non, on est parti là-dessus, on a validé ça ». Donc après, si on fait une modification, d'accord, mais il faut repartir dans une phase, justement, peut-être de budgétisation et ainsi de suite. Et ça, j'ai rajouté en plus que l'UX peut construire un proto. Alors ça, c'est pas forcément dans cet ordre-là et c'est pas forcément sur tous les projets. Un prototype, ça peut servir à plusieurs choses. Ça peut être pour que le client se rende compte un petit peu mieux de comment le site va vivre, comment ça va fonctionner. Ça va être plus facile aussi de voir justement un parcours utilisateur se dessiner. Ça peut être aussi pour faire des tests avec des utilisateurs, voir justement en fonction de vos personas, vous allez pouvoir recruter des personnes et leur donner vraiment le prototype. Mais c'est quelque chose qui peut être fait des fois en amont vraiment des wireframes aussi. Ça peut être directement travaillé sur le prototype ou ne pas en faire. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui peut être optionnel et qu'il faut que ce soit adapté au projet. Et WordPress dans tout ça. Donc, on a déjà vu en effet qu'au niveau des types de contenus, c'était très très
important justement d'avoir ça. Les wireframes vont vraiment nous le servir. C'était les types de contenus, c'était vraiment un tournant important dans WordPress, que ce soit d'un point de vue back ou d'un point de vue front, parce que ça nous a permis vraiment de structurer les contenus, voir les liaisons qu'il va y avoir avec. Et donc ça, vu que c'est inscrit dans les wireframes, on va pouvoir savoir comment ça va fonctionner. Et aussi, pour justement les fonctionnalités dont je parlais, les plugins. Ça, c'est donc la chance qu'on a justement avec la communauté WordPress, c'est qu'il y a énormément de plugins existants et il y a de fortes chances que la fonctionnalité que vous avez imaginée sur telle ou telle page existe sous forme de plugin. Donc si c'est le cas, il va falloir justement la tester, voir si elle correspond à vos attentes. Est-ce qu'elle ne va pas générer des nouveaux templates sur les, ou des contraintes qu'il va falloir prendre aussi en compte, voire adapter du coup votre conception par rapport à ça. Pour vous montrer un petit exemple concret, on a eu des clients donc pour qui on a dû travailler un middle office, donc quelque chose qui permettait de faire le lien entre le back office justement, et pouvoir mettre directement du contenu dedans. Donc on a travaillé déjà en conception, donc on s'est posé la question de tous les contenus, comment ça allait agir, est-ce que justement on va pouvoir sélectionner plusieurs thèmes, est-ce qu'il va y avoir d'autres champs qui vont apparaître par la suite en fonction de quoi ça va être fait. Une fois que ce travail a été fait, c'est là justement qu'on fait la validation en interne et malheureusement, enfin surprise, mais qui arrive dans 80% des cas, c'est que le client n'a pas le budget pour ce fonctionnement-là. Donc en front, en effet, on avait de l'autocomplétion, ça fonctionne bien, on a des select-to qui nous permettent d'avoir des formulaires qui soient jolis. Malheureusement, le budget n'est pas là. Donc le travail qui a été fait là-dessus n'a pas pu être gardé, il a fallu repartir en conception, sauf que ça n'a pas été du travail inutile. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait que le problème, c'est le budget, on a le fonctionnement qui est présent, on sait ce qu'on veut, on sait les liaisons qu'il va y avoir en fonction des différents contenus, mais maintenant, on va pouvoir chercher une solution qui fait ça et ensuite l'adapter. Donc, d'un point de vue front, ça nous a donné un formulaire qui est moche. Donc là, c'est la solution, c'était ACF, du coup, pour ceux que ça peut intéresser. Mais par contre, derrière, on avait le fonctionnement qui était tout fait. Et là, le fait de l'avoir vu en amont, ça nous a permis de ne pas avoir ce problème par la suite. Parce que si jamais on était parti sur cette solution, qu'on était parti justement en phase de design, en phase de front, et que c'est après peut-être au développement que le développeur aurait fait « Oula, ça me paraît peut-être un peu lourd justement ça, de la manière dont ça va être interagir », ou pire, si le développeur ne se rend pas compte justement de cette charge de travail et qu'il commence à travailler dessus, le moment où justement on va faire « Bon, bah là on n'a plus de jours pour travailler, on en est où ?» Le fait de revenir à une solution comme ça serait du coup extrêmement coûteuse, parce que même si elle est plus simple et qu'elle rentre dans le budget, le travail a déjà été fait. Et continuer dans l'autre sens, c'est pareil, ça nous bloquerait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de travailler la conception en amont. Petite parenthèse aussi sur le back-office. J'aime bien faire des parenthèses. C'est quelque chose qui peut-être nous paraît acquis pour nous tous, mais le back-office de WordPress est quand même quelque chose d'assez bien fait, justement, d'un point de vue CMS. Et là, sur le back-office, l'utilisateur va être le client. Et donc c'est extrêmement important, donc bon, déjà pour le fonctionnement du site, en effet, sur les différentes liaisons, mais aussi sur la contribution du contenu. Qu'est-ce qui va être demandé? Comment ça va être fait? On va aussi pouvoir venir, en fonction du projet, désactiver certaines fonctionnalités et de permettre justement au client de ne pas faire non plus n'importe quoi avec ce back-office-là. Il y a aussi la gestion des droits qui est assez intéressante parce que souvent, on a aussi des clients qui vont être nombreux derrière sur le back-office et ça va pouvoir créer des workflows donc, qui sont naturels de WordPress avec justement différents niveaux d'admin, mais qui permettent aussi d'avoir une expérience là pour les personnes qui vont être sur le back-office vraiment plus poussée. Et l'avantage qu'on a aussi de pouvoir le travailler. Il y a des fois, il y a des travails de conception qui se font aussi sur le back-office. J'en suis à peu près à 38. Ouais, donc là, il ne me reste pas. Alors, les patch builders, c'est quelque chose que les marketeurs adorent. Parce que, en effet, on va pouvoir mettre des étoiles dans les yeux des clients. Waouh, vous allez pouvoir faire votre site tout de suite, vous déplacer des blocs. On a du WYSIWYG, donc what you see is what you get. C'est un rendu directement, en fait, dans le navigateur. Sauf que ça peut vite devenir dangereux. Le problème qu'on a avec les page builders, c'est qu'il faut vraiment cadrer cette fonctionnalité parce que, en effet,
Le client peut faire ce qu'il veut, et du coup, c'est aussi le problème. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des propositions de maquettes de clients ou des choses comme ça. Il y a des fois, quand on reçoit des choses, même sous PPT, on se dit que si on leur donne la possibilité de faire pareil avec un site, ça peut être problématique. Parce que du coup, le client, ce qu'il va oublier, c'est que quand on construit une page, c'est dans un objectif bien précis. Et donc, ce qu'il veut absolument, c'est placer les contenus en haut, mais est-ce que c'est intelligent par rapport à ses objectifs? On ne le sait pas. Autre gros problème qu'il va y avoir, c'est que quand on va avoir un blog, c'est parce que des fois aussi, du coup, il faut développer des blocs en fonction des fonctionnalités. Et on s'est dit, bon, bah, c'est bon, ça vit bien ici. Mais si du coup, le client veut l'utiliser d'une autre manière à laquelle on n'avait pas pensé, ça vient peut-être casser le fonctionnement, la manière dont il est affiché. Pareil aussi, là, sur les problématiques de responsive. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment cadrer avec le client, avec justement un cahier des charges bien clair, mais qui peut quand même présenter aussi certains avantages. Ça nous est déjà arrivé, nous, pour des projets, de faire de la conception directement avec du page builder. Et donc, au moins, le client, en même temps de faire le zoning, le travail de wireframe, peut avoir un proto et voir même un petit peu à quoi ressemblera son site. Surtout s'il a déjà choisi un thème qui lui plaît. Donc, c'est aussi un gain de temps qui peut se faire de ce côté-là. Mais attention, justement, après aux libertés qui peuvent exister. Ne pas délaisser le design, parce que là, en effet, on parle de wireframes qui sont très très précises, mais ça peut être extrêmement frustrant pour un directeur artistique de travailler sur ces wireframes-là, parce que tout, justement, le contenu, les fonctionnalités sont là. Certaines choses, en effet, fonctionnent sur le wireframe, le zoning, parce que c'est en noir et blanc, et puis on a fait des petites annotations, mais en vrai, avec le design qu'il va y avoir, ça va peut-être mal vivre. Donc il faut surtout ne pas hésiter, pour ceux qui s'occupent du design, à être force de proposition, et à faire des allers-retours aussi avec l'UX. Ça, c'est extrêmement important de faire des allers-retours avec l'UX, et pas que pour la phase de design, la phase de technique aussi. Il y a des fonctionnements qui peuvent être inventés et après on se rend compte que quand on le code, ah bah tiens, c'est bizarre qu'il y ait ça, il faudrait peut-être le changer. Ne pas hésiter à avoir ces allers-retours à chaque fois. Donc là, ce qu'on a vu, c'était vraiment pour introduire l'UX dans vos projets. En effet, ce que vous allez donner à vos utilisateurs, vous ne savez pas comment ils vont l'utiliser. Et c'est très très important, j'adore ce gif, d'aller plus loin dans l'UX. Parce que l'UX, c'est avant tout de l'itération. On va devoir essayer de faire quelque chose, on va se rendre compte justement que même si on avait des personas, des objectifs et tout, il y a des nouveaux usages qui viennent vivre ou pas. Donc du coup, il va falloir les mesurer, ces résultats, et pouvoir tirer des conclusions. Alors, il y a plein de solutions qui existent. Hein. Là, c'en est juste quelques-unes. On peut faire de l'A-B testing, qui est quand même une bonne solution pour voir par rapport aux objectifs, justement, et les mesurer. Faire des tests utilisateurs, repartir en phase de recherche, développer des nouvelles fonctionnalités, justement, par rapport aux usages qui peuvent se créer. Se fixer des nouveaux objectifs, parce que des fois, les objectifs qu'on s'était fixés ne sont pas forcément les bons ou ne sont pas atteignables. Et pouvoir aussi affiner les personas. Un persona, c'est quelque chose qui existe juste le temps d'une phase de projet. Et normalement, à la fin de vos projets, vous les tuez, vos personas, pour en créer des nouveaux par la suite. Parce que justement, vous allez leur apporter des solutions et ils vont peut-être, leurs besoins vont évoluer, des choses comme ça. Donc, voilà. L'UX, c'est vraiment trouver une solution. Vous n'allez pas pouvoir trouver la solution qui sera la meilleure, parce que déjà, on ne peut pas forcément la prédire, et ça, c'est aussi une chose que je trouve un petit peu dommage dans certaines conférences qu'on a pu voir, c'est qu'on nous présente, nous dire, alors oui, faire ça, c'est bien, avoir, par exemple, il faut qu'on soit absolument à moins de 2 clics du contenu qu'on veut atteindre, des choses comme ça. Le problème, c'est qu'en fait, à chaque cas, on peut trouver un contre-exemple où justement, ça serait pas pertinent de faire ça. Et c'est vraiment votre projet qui va définir si cette solution peut être mise en place et pertinente. Donc du coup, cette itération, ça va être dans le but de trouver une solution, mesurer, voir si justement elle peut fonctionner, et si c'est pas le cas, ne pas hésiter à l'abandonner pour partir sur une autre ou la faire évoluer. Et voilà. Merci. Merci Alexandre. Ça, c'est un sujet vraiment passionnant. Je pense qu'on va avoir beaucoup de questions. Alors, c'est parti. Ça va se passer au fond. Merci. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je me vois. Oui.
Merci, je suis ravie d'être venue parce que j'ai failli pas venir pour moi, lui, qui c'était vraiment un super gros mot, je savais pas de quoi ça parlait, donc merci de m'avoir fait découvrir. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre l'UX et la gestion de projet, par exemple au sein d'une agence? Et donc, deuxième question, est-ce que le chef de projet sert encore à quelque chose? Non, faut pas avoir des chefs de projet, c'est le mal. Si tant est qu'il... Mais en vrai, non, si. Donc, du coup, l'UX, oui. Ça, en fait, les chefs de projet sont aussi responsables de l'UX à différents niveaux, en fait. Ils vont devoir s'assurer que tout le long du projet, par rapport aux objectifs qu'on a pu se fixer, il reste atteignable. Et c'est lui qui suit aussi, qui sert de fil rouge. Et le chef de projet est aussi la personne qui va être vraiment la personne référente pour le projet. Donc c'est elle qui va faire le lien en fait et qui va servir en même temps de couvre-feu à tout le reste de l'équipe. C'est elle qui fait qui dit aux clients ce qui se passe et les autres personnes qu'il y a derrière justement pour les laisser travailler et que ce soit bien sur le projet. C'est la chef de projet ou le chef de projet qui va dire ça se passe comme ça, il faudrait faire ça, il faudrait mettre ça en place. Et il peut y avoir aussi des chefs de projet qui soient spécialisés justement dans l'UX. En fonction des agences. Après, il y a différents chefs de projet. Il peut y avoir des chefs de projet techniques, d'autres justement plus référencement. Par exemple, le référencement, c'est quelque chose que je n'ai pas abordé, mais qui est extrêmement important. Mais donc du coup, non, on a besoin de ces chefs de projet, même si j'aimerais bien m'en passer des fois. Oui, merci beaucoup. C'était très, très intéressant et j'ai compris que les processus en agence sont assez sophistiqués. Moi, je travaille à mon compte, donc les choses se passent plus simplement. Comment est-ce que vous arrivez dans un processus comme celui-ci de garder le client et de garder sa passion? Si je m'explique un peu, au départ, un client qui veut faire un site internet, il va être « ouais, super, on va créer un site, ça va être super, ils ont super envie ». Quand un client se rend compte au bout d'un moment que c'est un long processus de validation après validation et on passe par des wireframes, la passion et l'intérêt pour le projet peut quand même vraiment plonger. En fait, moi je l'ai vécu, j'étais en agence avant aussi. Comment est-ce que vous arrivez à travers tous ces processus-là à garder l'attention du client et garder le plaisir de travail? Justement là-dessus, il faut vraiment être honnête en fait avec le client dès le départ. Et vu qu'on a des process qui sont justement bien fixés, mais qui peuvent demander pas mal de phases de validation, dès le début du projet, on va annoncer tout ça au client. On va dire comment ça va se passer, on va lui montrer qu'il y a certaines phases dans le calendrier où il va falloir qu'il soit absolument disponible. Parce que justement, là, on va lui demander une validation sur telle chose, là, on va lui demander une validation, là, il y aura un atelier. Et donc au moins, dès le début, il sait à quoi s'attendre et il n'y a pas de surprise par la suite. Là encore, c'est pareil, c'est de l'UX, mais sur la gestion de projet, de comment ça va être amené. Après, en fait, on s'est rendu compte que créer justement ces ateliers avec les clients-là, ça aide aussi énormément parce que ça l'implique beaucoup plus. Il n'a pas juste des documents à regarder et à dire oui ou non. Là, on l'implique vraiment dans son projet parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui, c'est son projet quand même à la base. Et le fait de l'inclure comme ça dedans, c'est quand même un petit peu plus bénéfique. Et le problème qu'il peut y avoir justement dans d'autres fonctionnements où on envoie juste des choses de validation, le client peut avoir cette sensation que c'est plus tellement son projet. C'est moi, j'ai dit que je voulais ça, et après l'agence va créer les choses de telle ou telle manière. Et donc du coup, c'est aussi ce qui peut poser un problème parce que les clients vont vouloir prouver que c'est toujours leur projet et dire non, moi je veux que ça fonctionne comme ça, ça fonctionne comme ça. Des fois, c'est pas parce qu'ils veulent que ça fonctionne comme ça, c'est pour montrer qu'ils ont toujours leur mot à dire dans le projet. Donc les inclure avant, ça enlève aussi ça. Donc ils doivent s'approprier le projet, en fait, ouais. Comme ça. Alors une question au fond. Bonjour, merci pour ta conf. Moi je voudrais revenir sur ta parenthèse back-office. Ouais. Et est-ce que toi tu as un process particulier sur l'utilisation du back-office pour le client? Est-ce que par exemple tu vas masquer toutes les fonctionnalités superflues pour lui ou aller plus loin jusqu'à l'habillage sur mesure pour tel type de client? Alors là-dessus, nous, sur le back-office, en fait, avec la première phase de recherche sur les besoins, on va essayer déjà de partir vers une solution qui correspond le plus possible à ce que le client va vouloir. Après, on va venir adapter, justement, rajouter quelque chose là. Mais on a aussi, pareil, toujours en fin de projet, un atelier pour de prise en main. Et on va livrer aussi un document d'utilisation par rapport à ça. Après, on n'est pas encore allé aussi loin dans la personnalisation du back-office. Mais ce qui nous arrive plus souvent, par contre, de faire, c'est justement construire un middle-office
qui, pour certaines typologies justement de clients, n'ont besoin que de certaines fonctionnalités. Et avoir ce middle office permet d'avoir quelque chose de clair et simple, et en même temps d'avoir les fonctionnalités qui se cachent derrière pour le back office. Bonjour Alex, en tout cas merci pour ton intervention. Alors moi, la question que j'ai aujourd'hui au niveau de UX, c'est d'abord deux choses. C'est, le premier aspect, c'est concernant le user journey, parce que là, en général, quand on parle de UX, c'est vraiment pour un produit. Mais puisqu'on en est spécifiquement sur WordPress, est-ce que tu arrives, par exemple, à développer une user journey, par exemple, pour un site internet de A à Z? Et la deuxième question, c'est que puisque tu organises des ateliers, en général, pour les ateliers, il est dit que on doit utiliser, par exemple, des méthodes de design thinking. Parce qu'à mon sens, le design thinking, c'était un autre domaine, mais en réalité, certains designers, UX designers disent non, en fait, le design thinking, c'est pas un autre domaine, et c'est pas un autre domaine, en fait, c'est la méthode qu'on utilise pour pouvoir dialoguer avec le client. Donc, est-ce que ces choses que j'ai entendues, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, et quels conseils tu pourrais donner dans ce sens-là? Ouais. Merci. Alors, donc le premier sur, c'était les user journey, c'est ça. Donc là-dessus, c'est en fait ça, c'est pas forcément lié à WordPress. Donc c'est quelque chose qui est fait justement pareil en amont avec les wireframes et le zoning, plus avec le zoning justement où on regarde ce qui serait intéressant d'avoir. Et après justement quand on va partir dans la phase de wireframing, on va venir précisément mettre ici tel ou tel élément pour se rappeler justement que là, ça serait bien de ramener l'utilisateur vers là pour justement rester cohérent. Sinon, après, pour ce qui est des ateliers, c'est en fait les ateliers vont vraiment changer et s'adapter aux clients. On a des ateliers où on va vraiment faire jouer le client, on va avoir des systèmes de cartes, on va dessiner en live ou des choses comme ça, et d'autres projets où ça serait trop gros, où ça prendrait trop de temps, où ça serait pas pertinent, et on va du coup plus aborder des questions, essayer justement de faire répondre le client. Donc j'ai pas vraiment de réponse malheureusement à t'apporter de ce côté-là. Pareil, mais là encore, c'est pas forcément lié à WordPress. Bonjour. Bonjour. Enfin, rebonjour. Damien, toujours de Strasbourg. Bonjour Damien de Strasbourg. J'ai une remarque et une question. La première remarque, c'est merci d'avoir fait une console UX. Je pense que pour les développeurs, ça fait jamais de mal. Mais j'ai quand même un problème avec cette conférence, je suis désolé. C'est qu'en fait, UX, ça veut dire User Experience. Oui. Et que j'ai quasiment pas entendu le mot utilisateur, en fait, pendant cette conférence. Qu'on a parlé beaucoup du client, qu'on s'est beaucoup centré sur le client. Mais que, en fait, je vais aller volontairement dans l'extrême. Oui. Mais le client, on s'en fout. Ce qui va être important, ça va être le résultat final qu'on va lui rendre. Et donc, l'adaptation ou non du projet à sa clientèle. Et non pas au client. Et dans toutes les phases que tu as présentées, je suis globalement d'accord avec la démarche, hein, mais pas sur la place du client. Parce que trop souvent, on est face à des clients qui vont vous dire « Oui, mais ma femme n'aime pas la typographie que vous avez choisie. Ouais. Oui, mais mon enfant ne veut pas utiliser le jaune qui est sur ce site-là. Oui, mais par exemple... » Enfin voilà, les cibles... Les cibles sont pas directement ouais, toujours accessibles. Maintenant, j'aimerais bien te répondre. Voilà. Et donc, la question qui va aussi avec, sinon, c'était juste, on parlait beaucoup de thèmes premium, en fait, pendant ce WordCamp, et je voulais avoir ton avis, sûrement, sur la possibilité de pouvoir mettre en commun de l'UX et des thèmes premium dans des projets web, ce qui me paraît quand même relativement très compliqué. Merci. Et merci. Bon week-end. Merci. Alors, pour ta première question, en effet, il a beaucoup été question du client, parce que ce qui était intéressant ici, c'était les process en agence par rapport à l'UX. Donc, ce que j'ai dit au début de ma conférence, quand j'ai fait la phase sur l'UX, c'est que j'allais pas plus aller dans l'UX, mais sur comment on allait mettre des process pour pouvoir faire de l'UX. Donc, j'ai bien précisé que les personas étaient extrêmement importants, et merci d'ailleurs de ta question, parce que j'ai oublié de le préciser dans la conférence. Vos personas, ça sert en effet à justement pouvoir bien réfléchir pour votre utilisateur et d'avoir justement ces débats avec le client-là. Quand il vous dit oui, non, mais en effet, moi j'aimerais tel typo ou tel rose ou des choses comme ça, ça c'est pas les vraies questions, mais plutôt j'aimerais avoir cette fonctionnalité-là où il faut absolument qu'il passe par cette page ou qu'il s'abonne ici ou que le logo soit plus gros. En fait, vos personas vont permettre de vous donner une justification, parce que vous allez répondre au client pas en disant non mais moi je pense vraiment qu'il faut faire ça comme ça ou on pense qu'il faut faire ça, mais plutôt regardez par rapport à votre persona, si vous mettez ça comme ça, ça ne va pas correspondre à ses objectifs, à ses motivations.
Donc, ah, t'as envie de répondre, hein. Ben non, tu peux pas. Et donc, du coup... Vas-y. Désolé, mais sur les personas, il faut quand même. Enfin, je suis désolé. Enfin, faut rappeler quelque chose qui est dans les projets. Parce qu'il y a d'autres questions. Très rapidement sur les personas. Ouais. Le problème, c'est quand on est, et c'est le cas de beaucoup du designer, on se plante très régulièrement sur les personas. Oui. Alors, sans test utilisateur, ça n'a aucune valeur. Non. Donc, par rapport à ça, les personas, c'est quelque chose de très compliqué à construire. Parce qu'en effet, un persona, dessus, vous allez donc donner un profil, lui donner des buts, des motivations et plein d'autres choses qui, normalement, se font à travers la recherche. Vous allez devoir aller faire énormément de recherches pour être vraiment sur le bon utilisateur. Malheureusement, on n'a pas de budget pour faire ça. Parce que c'est quelque chose qui est très, très dur et très long à faire. Et il y a même des agences qui sont spécialisées juste pour ça. Donc, on va devoir un peu créer des personas. Il vaut mieux avoir un persona, même un petit peu fictif, qui ne va pas correspondre vraiment à la réalité, parce que ça permet justement de faire ce que j'ai dit avant et de pouvoir se référer au persona quand le client a certaines décisions. Et du coup, j'avais complètement oublié ton autre question d'après. C'était quoi ? Ah oui, les thèmes premium. Et ça, donc... C'est en fait, c'est oui, on travaille aussi avec des thèmes premium parce que toute cette phase de l'atelier que tu as fait avec le client, les besoins que tu vas en ressortir, des fois tu peux te rendre compte qu'en effet, la seule chose qu'il a besoin, c'est d'un thème premium, de l'adapter un petit peu, lui apporter certains plugins. Et donc, c'est pas gênant, tu peux faire du UX sur un thème premium. Je sais pas si c'était la réponse que tu attendais, mais voilà. On a une question devant, oui, ça arrive. Oui, bonjour. Oui. Je voudrais savoir quelle place vous donnez à l'ergonome. Enfin, quelle différence vous faites entre celui qui s'occupe de l'expérience utilisateur et l'ergonome. Enfin, personnellement, parce que je n'en vois pas. Alors, en fait, c'est celui qui est en amont du projet. Donc, l'ergonome, c'est donc celui qui va faire tout le travail justement sur les wireframes, les ateliers, les recherches, la création des personas. C'est lui, en fait, qui fait tout ce travail en amont. Et donc, c'est là que... Après, c'est même mieux de l'avoir aussi avant que le projet soit signé. Parce que justement, ça permet de déjà interagir avec le client et d'avoir directement ses retours. Et c'est lui qui va aboutir justement au wireframe. Et donc, tout le début du projet, le cadrage du projet, se fait avec l'ergonome. Et après, par la suite du projet, c'est là où les allers-retours sont importants. Parce que quand il va y avoir du design, ça va être s'adapter par rapport au wireframe. Pareil pour le développement, pareil pour le front. Et c'est là, à chaque fois, en fait, où il va y avoir des allers-retours, mais qui vont être juste par à-coup avec l'ergonome. Donc, c'est surtout en amont du projet qu'il est présent. Je suis là. Oui. Moi, j'avais aussi une question par rapport à l'ergonomie, parce que pour toi, l'UX designer, c'est l'ergonome ou c'est quelqu'un d'autre ? Alors, donc... pour moi, c'est la même personne, enfin, de plus en plus, que ce soit en agence ou chez un annonceur. Bon, moi, j'ai surtout été chez l'annonceur et je. Enfin, pour moi, c'était... Quand ce terme a commencé à apparaître, je me suis dit, ok, en gros, ils ont mixé des designers et des ergonomes, et ils ont dit, tiens, on va appeler ça UX designer. Donc pour moi, la notion d'ergonomie est vraiment intrinsèquement liée à l'UX designer. Oui, donc en fait, c'est parce qu'en agence, l'ergonome et l'UX designer, en effet, c'est la même personne. Et c'est justement ce que j'expliquais avec la petite slide sur qui est l'UX designer, c'est que maintenant, en fait... Les UX designers, il y en a dans plein de catégories, mais en agence, en fait, ils s'occupent majoritairement de l'ergonomie. Et donc, c'est pour ça, quand on l'appelle UX designer ou ergonome, c'est la même chose, parce qu'il fait le même travail. Mais il y a des UX designers qui peuvent ne jamais toucher, justement, à l'ergonomie, parce que c'est ceux qui vont être responsables juste de la phase de recherche, de la phase de création, justement, de persona. Et donc, du coup, c'est pas eux qui vont être liés à l'ergonomie. C'est d'ailleurs comme ça qu'un travail peut être aussi mieux amené, c'est une personne qui travaille en amont sur les phases de recherche et qui amène tout ça après pour une personne sur l'ergonomie, parce qu'ils vont pouvoir confronter leur point de vue, la personne va pouvoir se mettre vraiment à la place des personas qu'elle a créés, et du coup l'autre personne va pouvoir tester les interfaces qu'elle a créées. Donc, mais en effet, dans les agences web, les ergonomes sont les UX designers. Merci Alexandre, on va s'arrêter là, il y avait beaucoup de questions, mais il faut qu'on s'arrête. Merci.